Bonjour à tous. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment je compte récupérer le travail via Kongzi. Donc, quand je voudrais récupérer un travail, je vous préparerai une étiquette comme celle-ci où vous voyez la main avec la petite page de travail. Donc ça veut dire que vous pouvez me rendre le devoir. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez ici le numéro de tentative. Alors attention, hein, je laisserai les tentatives illimitées, vous pourrez essayer plusieurs fois, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez également, même si vous avez déjà remis des travaux, m'en envoyer un autre si vous vous rendez compte que vous êtes trompé de page ou que c'est pas la dernière version que vous m'avez envoyée. Donc vous pourrez tout à fait en envoyer plusieurs. Vous pourrez également me mettre un commentaire si vous en avez besoin. Alors vous allez voir, c'est très simple. On va cliquer sur « Ajouter un travail » et là, on va se retrouver sur cette page. Dans cette page, deux solutions. Soit vous allez pouvoir glisser le document, soit vous allez aller le rechercher sur votre ordinateur. Donc pour ça, vous cliquez sur « Ajouter » et là, vous allez cliquer, donc là vous vérifiez bien que c'est « Déposer un fichier » et vous cliquez sur « Choisir un fichier ». Là, vous allez retrouver sur votre ordinateur. Donc vous prenez n'importe quel document, d'accord? Donc vous, surtout quand vous enregistrez votre travail, faites bien attention à l'endroit où vous l'avez enregistré. Et puis bah par exemple, supposons que je veux fixer ce travail-là, hop, je clique sur ouvrir. Voilà, là vous pouvez me mettre le nom du travail et puis éventuellement votre prénom. Mais j'en ai pas vraiment besoin puisque ici, hein, vous voyez, j'ai l'auteur, donc juste le nom du travail. Voilà. Ensuite, vous faites déposer le fichier, voilà, et vous faites enregistrer. Voilà. Donc vous voyez ici, si vous avez bien fait, le travail est remis. Donc moi, je vais le recevoir et je vais pouvoir vous le renvoyer par la suite quand je l'aurai corrigé. Alors ici, vous voyez, modifier le travail. Donc si vous êtes trompé de document ou si vous avez retravaillé et que vous voulez m'envoyer un autre document, vous pouvez cliquer sur modifier le travail. Voilà, j'espère qu'on arrivera à tous bien s'organiser. Je vous souhaite bon courage et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.